Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. C'est Corinne d'Anae Bien-être. Je suis masseuse et praticienne en médecine chinoise ainsi que professeure de Qigong sur Nîmes. Je vous propose aujourd'hui la pratique de quelques mouvements de Qigong en rapport avec la saison actuelle, l'automne. En automne, ce sont les poumons qui font leur plein énergétique. Donc, les mouvements que nous allons pratiquer aujourd'hui vont ouvrir et déployer votre poitrine. Ils vont dégager vos voies respiratoires et augmenter leur capacité. De plus, les poumons étant blessés par la tristesse, eh bien, ces mouvements vont également vous apporter un bien-être mental. Ils vont vous permettre peut-être de lâcher un petit peu de nostalgie, de tristesse et de développer une plus grande positivité. Les poumons sont reliés à l'élément air. Donc, pour pratiquer, pour fortifier nos poumons, nous allons nous inspirer des mouvements des oiseaux comme la grue blanche. La grue blanche est l'emblème de l'automne en Chine. Ces mouvements vont venir travailler l'articulation scapulo-humérale et va avoir une action fortifiante sur le chi de vos poumons. Vous allez reconnaître peut-être les grands mouvements d'ailes légers et gracieux des grues blanches. La grue blanche est également en Chine un symbole de longévité. C'est pour cela qu'on la retrouve très souvent dans les peintures, les calligraphies ou les sculptures chinoises. Donc, je vous propose d'enfiler une tenue dans laquelle vous vous sentirez à l'aise. Vous pouvez porter une tenue de couleur blanche puisque c'est la couleur qui tonifie les poumons. Et je vous dis à tout de suite pour la pratique de la grue blanche.
J'espère que cette séance vous aura été agréable. N'hésitez pas à pratiquer régulièrement ces mouvements de la grue blanche pendant l'automne, surtout si vous avez des affections respiratoires comme des rhumes, des sinusites, des rhinites, hein, toutes les affections qu'on peut avoir en automne. Pratiquez des séries de 3, 6 ou 9 mouvements pour que vous ayez une action tonifiante sur vos poumons et votre gros intestin. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos conseils ou d'autres pratiques de Qigong. Au revoir !